Dieu est merveilleux. Alléluia, veuillez vous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse. Abondamment. Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je fais une annonce pour la diaspora à l'Europe. Je vais reprendre bientôt ma tournée. Et nous allons commencer par un grand concert en Allemagne par la grâce de Dieu. Et à partir de l'Allemagne, nous allons commencer à planifier certaines choses. C'est possible de toucher l'Italie parce que je dois repartir en Belgique. La Suisse. Et puis revenir à Paris pour la prochaine. Donc c'est très bientôt par la grâce, de Dieu. J'ai commencé à mettre une nouvelle équipe sur place. There is a new team. Voilà, donc ma diamant, elle s'occupe plus des huiles, elle s'occupe plus, c'est vrai qu'elle fait partie du ministère. Je la sens beaucoup épuisée, donc je suis obligé de la mettre un peu à l'écart. S'occuper de d'autres choses. Amen. Alléluia. Voilà, donc cette année, nous avons beaucoup de choses à faire. This year we have too many nous allons lancer notre site internet bientôt. Nous allons notre site, une chaîne de télé. Maintenant, merci à la soeur qui a envoyé la caméra. Vous voyez, cette micro a été offert par un couple camerounais. C'est le micro professionnel, on a pas mal d'appareils ici. L'appareil que utilise le frère Armel, c'est le frère de la soeur Marie, Roger. Il m'a offert ça. Roger a mis sa voiture à ma disposition. C'est sa soeur qui est ici. C'est très bien de vous voir. Voilà, que Dieu bénisse son retour. May God bless him. Voilà, amen. Il y a eu tellement de bonnes choses. Les gens qui sont vraiment impliqués dans notre affaire. Les choses qui sont impliquées, qui aimeraient voir le ministère aller de l'envoyer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc je reprends les activités. Merci aussi pour l'Allemagne, le frère. Le bien-aimé fils spirituel Dosso qui est en train de préparer aussi beaucoup de choses pour la Danemark. Voilà, je vais arriver à Danemark par la grâce de Dieu. Justement pour sensibiliser les gens. Et on aura l'occasion de faire voyager toutes les villes. Ça c'est important. Le président aura l'occasion d'animer d'autres conférences parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Nous allons beaucoup voyager cette année. Et puis en 2017, nous allons essayer de toucher l'Afrique. Donc je demande à ceux qui sont déjà au Sénégal, parce qu'on a une grande communauté au Sénégal que nous sommes déjà. Ceux qui sont au Sénégal, de rentrer déjà en contact avec nous, pour voir comment organiser la chose. Sinon, nous aurons déjà une grande tournée dans le Cameroun en 2018. Nous avons une grande croisade dans le Cameroun, nous sommes en train d'organiser ça. Et nous allons toucher toute l'Afrique en 2018. Mais cette année, nous allons toucher un peu le Sénégal. Dans les tournées, nous allons toucher le Sénégal. Donc, adressez-vous au secrétariat pour commencer déjà à. Dites que vous avez déjà un groupe en place. Pour que nous puissions déjà avoir des croisades à Dakar. Amen. Amen. Oui, nous sommes en train de sensibiliser les gens, leur délivrer pour pouvoir investir librement en Afrique. C'est ce qui a fait les hôpitaux. Ils ont combattu la sorcellerie, ça a payé. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières et ça paye aujourd'hui. Ils sont entrés pleinement dans le ciel de Dieu. Et si nous voulons parler de divergence, il faut commencer déjà à détruire la présence de la sorcellerie sur le continent africain. Amen. Je vous annonce aussi que le mois de janvier est mon mois de vacances. Le mois de janvier est mon mois de vacances. Voilà. Celui qui ne comprend pas ça, il est délivré. Amen. C'est pour ça que depuis deux jours, mon corps, je me sens très épuisé. Délivrer quelqu'un, ce n'est pas facile. Si on vous donne ce don-là, une journée, vous allez fuir vos champs, vous allez fuir vos maisons. Voilà. Donc, le mois de janvier est un moment de vacances pour le monde de sexe. Amen. Voilà. Donc, il faut que je me repose. Et puis que je reprends les activités. Il faut que je me repose. Je suis en train de le faire. Je viens avec une onction spéciale en Europe. Je viendrai avec une onction spéciale pour reprendre toutes les activités. Je dois aller me consacrer. Je dois présenter, n'est-ce pas, ma mission, mes différentes activités dans le secret à Dieu. Tout ça, c'est important. Non, c'est pas ça, on ne peut pas rentrer ça. En blanc, il voyage un peu. Il a l'habitude de voir Zadi, voir plus Zadi, voir Faustin. Donc ça change la façon de voir son environnement. Sa tête devient propre. Et puis, il est requinqué. J'ai travaillé à Zaroko, moi, la poussière fait qu'il y a la toux. J'avais une toux sèche. Chaque deux secondes, je toussais.
Je dis, mais j'ai pris, ça ne marche pas. Je pars à l'hôpital. J'essayais quand même. Et le médecin qui me prend, il place, j'ai 20 de tension. Donc le médecin me demande comment j'ai pu m'arranger pour être en clinique. Vous pouvez venir ici, j'ai dit, mais je suis prophète. Dit non, tu es trop stressé. On va faire une expérience. Laisse pendant une semaine toutes tes activités. Va à Bassam. Regarde la mer. Quand tu reviens une semaine, l'attention a chuté à faire 12. Amen. Il est même si je me dis mon nom. Il est même si je me tue. Je suis prêt à faire ça, me tue. Il a dit, tu as vu, il faut te reposer. You need rest. Oh, nous, les ministères, nous, nos ministères, on croit que c'est pour nous. On arrache ça à Jésus et on prend ça. Amen. Voilà, dans ce moment de vacances, on aura l'occasion de prier pour vous. Ce this moment de vacances, je dois aussi me reposer. On sait beaucoup de choses. À mes activités, to my activities. C'est important aussi. It's really important. Non, on va verser une. Si c'est une, on va verser ça sur vous. Don't worry. Tout à l'heure, j'ai fait. Amen. Voilà, je vous annonce mes vacances. Amen. Tell oui, franchement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire au moins une semaine, deux semaines. Où j'entends pas, j'ai mangé son cœur, j'ai mangé sa tête, je l'ai mangé en janvier, franchement c'est stressant. Amen. Voilà, il faut que je prenne mes congés et que je me repose. Mais le centre fonctionne. Le centre sera opérationnel. Je vais me réquinquer. Je vais présenter tous mes projets de l'année. Parce que moi aussi je dois entreprendre mes activités. Je dois ouvrir mes entreprises. Je suis chrétien comme toi. Amen. Voilà, dois-je entreprendre mes activités, tout ça. Et tout ça, c'est important. Amen. Et nous avons aussi un événement de taille cette année, c'est le mariage du pasteur. We have a very good pasteur. Où est-ce que ça vient? Osoa vient. D'ici le mois d'avril, nous devons célébrer le mariage. Donc, je charge l'ancien, le président Seiko, l'ancien Seiko, l'ancien principal, le président Seiko, de s'occuper un peu de ce dossier. Voilà, essayez de vous rapprocher de la famille. Pour qu'on puisse régler rapidement la dot. Et puis, on va se lancer en fixer les dates. Mais le mois d'avril, je préfère le mois d'avril. Nous allons bien organiser ça. Je vous annonce ça déjà, c'est dans le mois d'avril. Il faut qu'il se marie. Je lui ai déjà donné une maison. Je l'ai déjà installée. J'ai déjà dans le mari déjà. C'est ça. Quand tu veux te marier, il faut faire rêver la personne. Voilà, donc j'ai eu de leur donner une maison studio. Dans ces temps-ci, pendant mes vacances, il va aller apprendre l'auto-école parce qu'il faut qu'on l'offre une voiture. Quand je fais évoluer les gens, quand tu réveilles les gens, il faut les faire évoluer. Il ne faut pas être sorcier. Il faut les faire évoluer. It needs to go ahead. Amen. J'ai fait grimper son salaire, il sait. Lui et moi, on sait. Donc, ta comptabilité, c'est. Il faut son salaire évoluer. Il faut le faire évoluer. Le ministère, du ministère, je suis en train de préparer déjà. J'étais en France, mais je lui dis, tu sais, ça me préoccupe parce que je suis en train de préparer ton mariage. In France, and I told him. Voilà, donc déjà, ta fiancée, mets-la dans la maison là-bas dans le studio. On a déjà pris un studio. Nous sommes en train de préparer. Donc, je demande l'ancien. Organisez-vous le conseil des femmes, rapprochez-vous de la famille, faites-moi un rendez-vous pour que déjà, en début de février,
on donne la date exacte, sinon c'est avril. So that we can have voilà, avril. A precise date. Voilà, donc le pasteur va se marier. Très bien, content. Madame, ça va? Tu es prêt? Tu connais quoi? You ready? Tu vas micro. Tu es prêt? You ready? Il est. Monsieur. Mister. Tu l'aimes. C'est la chose qu'il peut mettre ensemble. C'est parce qu'il est pasteur, ici ou là. Il est vrai, vrai. Il est vrai, vrai. Alors, on commence à l'intégrer dans le groupe d'intercession. Pour dire, les femmes de pasteur, pour commencer, donc elle fait partie. Ça, c'est la tenue du groupe d'intercession. Donc, on a commencé déjà à s'organiser, préparer psychologiquement le groupe au mariage. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. C'est en avril. En April. C'est tout. La balle est dans votre camp. Vous commencez déjà à prier pour ça. C'est ça, quand une nouvelle année commence, il y a l'agenda. Nous, on a positionné en avril. Ça fait partie de nos projets. Il faut que vous mariez en avril. That you need to get married. Donc déjà, le groupe de session devait aller à prier pour ça. Amen. Voilà, you have to pray for that. On va inscrire ton mari à l'hôtel Cole. Oh. Vois-tu là, c'est pas fait de dire non, il est c'est une décision. S'il si, n'est plus de loge pas ici, qu'il loge là-bas, il doit avoir sa voiture venir prier ici. Il faut qu'il le prenne. C'est les jeunes gens, on a gagné au Seigneur. Ils sont devenus pasteurs. Ils doivent vivre ça. Ils ont payé le prix avec nous, il faut les faire avancer. They have paid for that. C'est vraiment important de faire avancer. Oh, it's very important to have prier, le Seigneur les a bénis. Il faut les encourager à aimer le Seigneur. Il faut les encourager à aimer le ministère. Donc, vous dites, c'est important pour moi d'annoncer ça ce premier dimanche. So, et de mettre ça en prière. This first service. We have to pay for that. Tiens, manger des pizzas, il ne m'a pas su encore comme moi. Ça va bien. C'est un peu bizarre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous avez ma bénédiction. Dieu s'apprécie. Vous savez que le mariage est trop attaqué. You know that wedding is very attacked. Priez. So you have to pray. Victor. Pour toi, c'est où? Ah, un coup. Un coup, vous voyez comment? C'est pas comme il est sur le matin. C'est un coup, ça coup. On est en train de courir. Oui, effectivement. Il y a eu des explications. Donc après. Amen. Et priez pour moi parce qu'il faut que je me marie cette année. Amen. Oui. Je suis fatigué. Des messages bizarres. Comment on j'ai un caractère, je suis un homme chouchou. Je veux une femme grosse. Tu n'as pas me traumatiser. Tu viens d'où? À 1h du matin, là, c'est délivrant d'aller faire. Je ne veux pas ça. Amen. Amen. Les femmes vont écouter, on dit. I don't want my woman. Amen. To other people. Oui, franchement. Frankly. Franchement. Allez écouter, on dit. Don't listen to other people. Que Dieu me donne une femme. May God give me. Désarmée. And this arm, the word. Délivrée. Et vous me faites avancer dans le ministère. So that I can go ahead. Elle viendra pour m'aider dans le ministère. So come and help me in the ministry. Si on m'avait des messages, disait, excusez-moi. Je suis fatigué de ça. J'ai envie de t'embrasser. On me dit ça. Ah, ça vous choque. C'est vrai, il n'y a pas envie d'envoyer des messages. J'aime bien tes lèvres. Ça vous choque. Mais il faut que je vous dise que je suis exposé à beaucoup. Je suis exposé à beaucoup de choses.
tu étais marié, on ne sortira pas manger. Ne pense pas de comment m'aider à avancer, c'est sur toi. On le fatigue. Je suis fatigué. Amen. Alléluia. Donc cette année-là, c'est une série de mariages. Mais le moyen fait son mariage d'abord. His wedding first. Et puis à la fin, là-bas, c'est moi et Marie. And then on the end. Amen. Si j'ai trouvé, pour vous présenter ce qui est déjà, je suis passé à la mairie. Pourquoi vous allez venir gâter ça? Je connais les noix. Si j'ai trouvé, le jour où je vais présenter à l'église, c'est que le monde, on a déjà signé les papiers, et puis dit la voici. Maintenant, on est content, et puis je prends ma femme tranquille. Pourquoi vous allez venir gâter ça? Amen. C'est pour dire. Amen. Aider les gens à avancer. We have to help people going ahead. Alléluia. On me traumatise. Je ne vais même plus sur mon mail. Je ne vais plus. I can no longer go. Je souffre. On internet. Oui, je souffre trop. Que Dieu me délivre, je souffre. Oui, c'est important. Vous savez, le ministère, il est beaucoup stressant. Tu veux aller chasser un démon? Ou pas aller chasser un démon à la maison? You're chasing a demon, for example. Tu as fini de chasser un démon? À la maison, on doit te dire, chérie. The wife. C'est bien. Tell you good words. Pas venir pour être traumatisé. Puis la nuit, tu as fait veiller des paroles sur moi. Tu parles quand il est 5h du matin. Amen. Amen. Et Dieu m'aide. Thank God. Ça va se régler. Alléluia. Oui, c'est la seule chose que Dieu a besoin maintenant pour régler beaucoup the only de choses. Thing that God needs now to regulate mon ministère. In my ministry, j'ai peur d'échouer. Loin de toi, prophète. Dieu te parle. Non. Non. C'est moi qui choisis. Hein? Ça vous choque? Hein? Are you shocked? Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. You cannot understand. Fais l'éternel te délivrer et donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est ce que moi je veux, qui Dieu me donne. What you desire from God. Comment c'est ce que Dieu, moi ce que je veux. If you only love him. Et puis j'ai dit voici le caractère qu'elle doit avoir, voici ça, voici ça, voici ça. On ne marie pas une femme parce qu'elle est belle. We did not marry. Ça fait partie, c'est les critères. Nice, pretty. Une femme, tu viens m'aider. A woman. Dans le ministère. Can help me. Vous ne pouvez pas faire disparaître le ministère. So that he can all disappear. Supporter. Aider. Help. Chacun d'entre nous a un caractère. Mais le ministère, c'est quelque chose. But the ministry, voilà. Parce que quand il vient dans ta vie, il doit t'emporter quelque chose. When you live with him, he must bring you something in return. J'étais en France quand on m'a dit. I was in France. Viens, je t'ai donné, tu me maries, donné le papier. To get si married with me, you have. Tu n'auras plus avoir d'aller à l'ambassade. You'll be a friend. Je souffre trop. J'ai souffert beaucoup. Il dit ses papiers de France. Je viens en France. Il faut que ce problème soit réglé. Amen. Amen, amen, amen. Solution, voilà que la gloire revienne au Seigneur. The glory be to the Lord. On dit, je suis physiquement fatigué. C'est ça que vous ne m'avez pas mis hier. That's why you didn't see me je suis fatigué. Today. Toute I'm l'année en train de chasser les démons. Moi, je ne peux pas rouler une voiture. I cannot drive a car. Parce que chaque fois, je suis en combat. Because I fight pendant que je cause, mon esprit est en train de combattre sur ce délire. Fighting. C'est difficile, hein? C'est pour ça qu'il faut une femme. That's why I'm bien. Pour être là. I need a wife. Ah oui? To be by my side. Tu n'es pas bien sorti, mais à tes bras pour me manger. Alléluia. Amen. Une femme vraiment spirituelle et tout. Sorry, tell Paul. Et puis, il faut que le président cette année, il se marie. Madame Président, comment? On acclame le Seigneur pour ce coup. Il est bon, il y a longtemps ma femme. Hein? C'est ça, ma présidente. C'est une série de mariages. On ne va pas s'amuser ça cette année. I'm not going to si tu ne l'as pas fait, that. Franchement, nous, on ne fait pas là. Hein? If you don't do it. Ah, tu remets ta tête sur moi. Tu vas le faire. Tu vas le faire. On acclame le Seigneur. Amen. Comme ça, en 2018-17, qui va attraper qui? Chacun prend un coup, on vous présente nos femmes, elles sont devant ici, le ministère doit avancer. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Voilà. Les témoignages, on va aller rapidement. Vous savez que j'ai changé de témoignages. Les témoignages. Qu'est-ce que c'est que leur témoignage?
Venez.